Bonjour, ici nous allons faire la deuxième partie du cours sous programme, les fonctions et les procédures. Donc dans cette deuxième partie, nous allons traiter les procédures en Pascal. Donc sans tarder, on va commencer directement le cours. Et le premier point qu'on va discuter, c'est la déclaration d'une procédure. Comment déclarer une procédure à l'intérieur d'un sous-programme? On va voir la syntaxe. Ici, nous allons prendre directement une structure d'un sous-programme, donc l'entête, la partie déclaration et le corps du sous-programme. Donc dans la partie déclaration, on va déclarer les constantes et les variables. Après avoir déclaré les constantes et les variables, on va déclarer par exemple une procédure. Comment déclarer une procédure? On va suivre la syntaxe suivante. Donc le mot-clé procédure, l'identificateur de la procédure, c'est-à-dire le nom de la procédure, éventuellement entre parenthèses les paramètres formels de la procédure. La partie déclaration de la procédure et le corps de la procédure, début de la procédure et la fin de la procédure. Donc, puisque le programme, puisqu'en Pascal, le langage Pascal, il est insensible à la casse, ça veut dire on peut écrire en majuscule et en minuscule, ça ne cause pas de problème. Donc, on va suivre une simple convention, c'est que le début et la fin du programme principal, on va utiliser le begin et le end tout en majuscule. Et le begin et le end de ce programme, des procédures et des fonctions, on va utiliser begin et end avec la première lettre en majuscule. Et les autres begin et end des autres blocs, par exemple le bloc du if, le bloc du else, for, while, etc., les boucles, on va utiliser le begin et le end tout en minuscule. Donc les variables P1, P2, entre parenthèses, ça s'appelle les paramètres de la procédure. C'est les paramètres formels. Ça veut dire les paramètres utilisés dans la déclaration de la procédure. Donc ces paramètres formels, il y a deux cas. Il y a le cas où ils sont procédés par le mot-clé var et le cas où ils ne sont pas procédés par le mot-clé var. On va voir ici. Donc les paramètres formels sont des paramètres utilisés dans la déclaration du sous-programme. Ils sont séparés par point-virgule. Vous remarquez ici, après chaque type, il y a point-virgule pour entamer le prochain paramètre. Bien sûr, on peut déclarer les paramètres du même type. Dans ce cas-là, on va les séparer par virgule puisqu'ils sont du même type. Donc, on va faire P1, virgule P2, type 1. Donc, les paramètres qui sont pas procédés par le mot-clé var, ça s'appelle les paramètres passage par valeur. Ça veut dire qu'on peut donner une valeur. Donc, c'est des paramètres d'entrée. Les paramètres qui sont procédés par var, c'est des paramètres avec passage par variable. En général, c'est des paramètres de sortie. Donc ici, on va voir quelques remarques concernant la déclaration d'une procédure. Donc dans une bonne pratique, évitez d'utiliser les données, variables, constantes, globales dans une procédure. La procédure doit être autonome. Ça, on l'a vu pour les concepts de base de ce programme. Utilisez uniquement les paramètres pour communiquer avec une procédure. Donc il ne faut pas faire les entrées-sorties à l'intérieur de la procédure. Évitez de faire les lectures et éventuellement les écritures à l'intérieur d'une procédure. Les paramètres avec passage par valeur sont les paramètres qui ne sont pas procédés par le mot-clé var. Dans ce cas, ils sont des paramètres d'entrée. Okay? Donc les paramètres avec passage par variable sont les paramètres qui sont procédés par le mot-clé var. Dans ce cas, ils sont des paramètres d'entrée et de sortie. Donc paramètre par variable, il peut être d'entrée, mais en même temps, il est de sortie. C'est sûr et certain qu'il est de sortie. On va voir un exemple de déclaration de paramètres. On va revenir au programme de combinaison. C'est un cas. Voilà, ici la partie instruction. Donc, au niveau de la déclaration, on va déclarer la procédure comme suit, procédure factorielle. Donc, nous avons deux paramètres, le paramètre n, paramètre d'entrée, et le paramètre f, passage par variable, c'est paramètre de sortie. Ça veut dire, ici, on donne la valeur de n, et à travers la variable f, on va recevoir le résultat. Ici, attention, le paramètre n, il n'a rien à voir avec la variable globale n. Donc, vous pouvez avoir un paramètre et des variables locales d'une procédure le même nom que les variables globales. Donc, ils n'ont aucune relation. Donc, ici, les déclarations des variables locales. Nous avons besoin de la variable i locale pour faire la boucle de factoriel. Ici, le début d'instruction, on va faire f reçoit 1. Pour i reçoit 1, pour i reçoit 2 jusqu'à n, la valeur de n du paramètre formel, f reçoit f fois i. À la fin de la déclaration. Donc voilà ici comment déclarer la procédure factorielle. Donc ça, il y a deux paramètres formels. C'est le paramètre n, c'est un paramètre d'entrée, et paramètre f, c'est un paramètre de sortie puisqu'il est procédé par le mot-clé var. Donc ici, il n'y a aucune relation entre le n variable globale et le n paramètre formel de la procédure factorielle. On va voir maintenant comment appeler une procédure. Donc d'une façon syntaxique, d'une façon générale.
Donc, après avoir déclaré les variables locales, etc. Donc, ici, les instructions de la procédure. Ici, l'appel à la procédure. Donc, l'appel à la procédure s'effectue comme suit. On prend cette procédure-là, la déclaration d'une procédure. Donc, comment on effectue l'appel à la procédure non procédure? Donc, ça va s'effectuer comme suit. Nom de la procédure, entre parenthèses, valeur du paramètre 1, valeur du paramètre 2, jusqu'à valeur du paramètre n. Donc, P1, P2, P3 utilisés dans la partie déclaration, c'est les paramètres formels. Et VP1 et VP2 jusqu'à VPN utilisés lors de l'appel à la procédure, ça s'appelle les paramètres effectifs. Bien sûr, ici, le nombre du paramètre effectif doit être obligatoirement le même nombre que les paramètres formels. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est que le type de VP1, il doit être du même type que P1. Type de valeur de P2 doit être du même type que P2, et ainsi de suite. Donc, chaque paramètre effectif, il est du même type que le paramètre formel correspondant. C'est très, très important. Donc, le paramètre effectif sont les paramètres utilisés dans l'appel à la procédure. Donc, séparés par des virgules, vous remarquez, ici on les sépare par virgule, or les paramètres effectifs, et pardon, formels, sont séparés par point-virgule. Nombre de paramètres effectifs est le même que les paramètres formels du sous-programme, c'est-à-dire de la procédure ici. Donc, on va voir un exemple. En revenant à l'exemple de factoriel, des combinaisons. Donc, nous avons la procédure, voilà, factoriel. On l'a vu tout à l'heure, la déclaration. Ici, comment on va faire l'appel? Donc, ici, les deux paramètres formels n et f. Ici, on aura les paramètres effectifs pour calculer le n factoriel. On va faire factoriel n, nf. Donc, pour calculer k factoriel, on va faire factoriel k, kf, etc. On va voir ça dans la pratique. Donc, il y a deux paramètres effectifs. N, passage par valeur. La valeur de n sera passée au paramètre n. Nf, passage par variable. Tout changement du paramètre formel f, puisque c'est le deuxième, ici, tout changement dans f, il sera affecté à NF, à la variable NF. On va expliquer ceci à travers un déroulement, comment ça va se passer lors de l'appel factoriel NNF. Voilà, on va voir ici un déroulement d'appel à une procédure. Voilà, donc ce que nous venons de faire. Donc pour dérouler une procédure pour dérouler un programme principal avec une procédure, donc ici on va mettre les variables du programme principal, ici les variables de la procédure factorielle. Donc pour les variables de la procédure factorielle, on va mettre les variables locales i et les paramètres. Par la suite, on va suivre par les paramètres n et f. Donc ici il y a beaucoup de paramètres, donc je vais quelques-unes. Donc je m'intéresse au calcul de n factoriel. Donc on va faire l'appel factoriel n, nf. Qu'est-ce qui se passe ici? On suppose que n égale à 4. Donc qu'est-ce qui se passe lors de l'appel? Lors de l'appel, il va y avoir une transmission de valeur. Donc n, variable globale, sera transmise au n paramètre. Donc le paramètre n reçoit la valeur de n du variable global. Et bien sûr, f, il va recevoir la valeur de nf qui est 0 au début. Après, lorsqu'on va appeler, on va se brancher vers la première instruction. Donc ici, c'est l'attente pendant toute l'exécution. Donc lorsqu'on termine, on doit continuer l'exécution à partir du programme principal. Donc F reçoit 1. Donc après l'exécution de l'instruction F reçoit 1, la première instruction de la procédure, on va affecter 1 à la variable F. Par la suite, on va passer à la boucle for i reçoit 1 to n. On va faire F reçoit F fois i, i égale à 2. Donc on va avoir i égale à 2. Et f reçoit f fois i, ça va devenir 2. Voilà. Donc, ici, ça va devenir 2. On reboucle jusqu'à 4. Donc, i devient 3. F reçoit f fois i, ça va devenir 6. Donc, 2 fois 3, ça devient 6. Revenons. Donc, 3 fois 6 fois 4, ça va devenir n égale à 4. I égale à 4, pardon. 6 fois 4 égale à 24. Et on arrête la boucle et la fin de la procédure. Lors de la fin de la procédure, qu'est-ce qui se passe? On va retourner le résultat dans la variable nf. Pourquoi? Puisque c'est le paramètre passage par variable. Ça veut dire la valeur de f sera affectée au deuxième paramètre nf. Voilà. Et ici, nf, ça va devenir... nf, ça veut devenir 24. Donc le résultat de factoriel nf tel que n égale à 4, c'est nf égale à 24. Donc le résultat de factoriel, il est dans le deuxième paramètre de sortie. Donc on va voir l'exécution. Donc factoriel nf, n et nf. Donc avec la procédure factorielle, donc nous avons i, n et f. Donc ça, c'est la procédure. Lors de l'appel, on va transmettre 4 et nf 0, on va exécuter donc 4 et 0. Donc le premier la première initialisation de f, ça devient 1. For i reçoit 2 to n do, donc ça va devenir ici 2. F reçoit f fois i, ça va devenir 2 fois 1, ça devient 2.
Donc, for i reçoit, ça devient 3. F reçoit F fois i, ça va devenir 6. Pour i égale à 4, donc F reçoit 6 fois 4, ça va devenir 24. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? On termine avec F égale 24. La valeur du F sera retransmise à NF. Pourquoi? Puisque passage par variable. Dans la déclaration, on a déclaré le deuxième paramètre F comme variable. Donc, du coup, NF, ça va devenir 24. Donc, c'est comme ça qu'on fait le déroulement d'une procédure. Donc, ici, on va faire quelques remarques sur les procédures. Le nombre de paramètres effectifs doit être le même que les paramètres formels, que le nombre des paramètres formels, ça, on l'a vu. Chaque paramètre effectif doit être du même type ou bien du type homogène, ça veut dire entier, il peut être affecté à un réel. Ce n'est pas obligatoirement du même type, il peut être du type homogène que le paramètre formel correspondant. Donc, le premier paramètre effectif, il doit être du même type que le premier paramètre formel, deuxième paramètre effectif du même type que le deuxième paramètre formel, et ainsi de suite. Donc, deux choses très importantes, le nombre de paramètres effectifs, il doit être le même que le nombre des paramètres formels, et le type de chaque paramètre effectif est du même type ou bien du type homogène que le paramètre formel correspondant. Pour le passage de paramètres par valeur, le paramètre effectif peut être une valeur immédiate, par exemple 4,14 ou bien 4, il peut être une constante comme pi. Il peut être une variable x, par exemple, ou bien une expression x plus y sur 2. Donc, ce type de valeur, pardon, tous ces types de valeurs peuvent être affectés à un paramètre passage par valeur. L'essentiel que le type, il est le même. Par contre, pour le passage de paramètres par variable, ça veut dire les paramètres formels procédés par le mot-clé var, le paramètre effectif doit être obligatoirement une variable. Pourquoi? Tout simplement, la raison, c'est lors du retour de la procédure, on doit recevoir la valeur dans cette variable, le résultat. Donc, on doit donner une variable pour recevoir à l'intérieur de cette variable le résultat du calcul. Lors d'appel à une procédure, les valeurs de tous les paramètres effectifs sont transmises aux paramètres formels correspondants. Tous les paramètres effectifs, soit passage par valeur, soit passage par variable, toutes les valeurs seront affectées. Comme nous l'avons vu au déroulement, n est passé, le paramètre effectif n, il est passé au paramètre formel n, et le paramètre effectif nf, il est passé au paramètre formel f. Lors de l'exécution de la procédure, lorsque, pardon, l'exécution de la procédure est terminée, les valeurs des paramètres formels avec le passage par variable, uniquement le passage par variable, c'est-à-dire les paramètres formels procédés par le mot-clé var, seront retournés vers le paramètre effectif correspondant. Voilà, ça c'est le résultat. On capture le résultat dans les paramètres par variable. On va voir une démonstration. On va réaliser la procédure factorielle présentée dans le résumé du cours. Donc on va faire un petit programme dans lequel on fait une procédure factorielle. On peut tester cette procédure à travers quelques exécutions. Donc on va le faire sur les médias. Donc ici j'ai préparé un programme test procédure. Donc je vais déclarer une procédure dans la partie déclaration. Donc ici je vais faire déclaration. La partie déclaration. Et c'est le début du programme principal. Voilà, ici c'est la fin du programme principal. Donc ces commentaires ne sont pas obligatoires, mais lorsque le programme devient très long et très grand, donc c'est bien de mettre les paramètres, ce sera un repère pour le développeur, pour les programmeurs. Donc la fin du programme principal. Donc ici c'est le corps du programme principal. Voilà. Donc dans la partie déclaration, je vais déclarer directement la procédure. Procédure. Donc ici sans accent, pardon. En anglais, procédure factorielle. Donc, qu'est-ce que nous avons dit? Factorielle. Donc, ça, c'est le nom de la procédure. Ici, je vais mettre les paramètres de la procédure avec point virgule à la fin. Donc, le paramètre formel n entier et le paramètre formel f dans lequel on va recevoir le résultat, c'est entier aussi. Ici, je vais faire var. Donc, ce var-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que f, c'est un paramètre de sortie. Begin. Donc, l'algorithme pour calculer un factoriel, on le connaît. F reçoit 1. Pour i reçoit 2 jusqu'à n, faire f reçoit f fois i. Voilà, on a terminé. Il reste la variable i qu'il faut déclarer. On a dit dans la première partie du cours ainsi que dans la partie des procédures qu'il faut éviter d'utiliser les variables globales. Donc, vous remarquez ici, il n'y a pas de variable globale, il n'y a aucune variable globale. Donc, pour que la procédure soit autonome, ça sera mieux et de préférence déclarer i comme variable locale de la procédure.
Ça veut dire ici, je vais faire i intégrer dans la partie des variables locales. Donc ça, c'est les variables locales de la procédure. Variable locale, variable, éventuellement plusieurs variables locales. Pardon, local, comme ça, puisque c'est une variable de la procédure factorielle. Ça, c'est un commentaire, vous écrivez comme vous voulez, pas de problème. Donc, j'enregistre le programme. Voilà, donc ça s'appelle ce programme proc. Donc, je compile s'il n'y a pas d'erreur. Vous remarquez qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, pour tester le programme, vous remarquez ici ce que je dois donner deux paramètres. Je vais faire le premier test. Je vais calculer le factoriel de 4. Factoriel de 4. Et virgule ici, donc c'est pas point, donc point virgule paramètre formel, virgule, je vais faire donc une variable pour contenir le résultat. Donc ici, obligatoirement, je dois donner une variable. Du coup, je suis obligé de revenir à la partie déclaration pour faire une variable globale. Je vais faire la variable globale x en entier. Donc obligatoirement, x doit être entier puisque f il est entier. Donc si je compile, normalement il n'y a pas d'erreur. Vous remarquez qu'il n'y a pas d'erreur. Donc j'affiche write 4 factoriel égal, et je vais faire ici x. Voilà, je compile, j'exécute, il va faire 4 factoriel égal à 24. Donc qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est que j'ai calculé le 4 factoriel et je l'ai mis dans la variable x. Maintenant, je peux faire un autre test. Au lieu de passer une valeur immédiate, je vais passer une variable dans le premier paramètre. Donc comme nous l'avons vu, past, par exemple, je vais déclarer une autre variable z. Y, soi-disant, je vais donner une valeur pour Y. Ok, je vais sauter les lignes. Donc, je vais faire après read Y, je donne une valeur à Y, et ici, je vais passer la variable Y. Ça veut dire que c'est la valeur de Y qui sera transmise à N. On calcule le F à travers la valeur de N. Après, le résultat sera redonné à. On va faire la variable z, une autre variable. J'ajoute ici, virgule z. Bien sûr, y factoriel. Ici, je vais mettre, c'est pas 4 factoriel, c'est y après factoriel égale à z ici. Voilà. Vous remarquez, le premier paramètre, c'était une valeur 4. Ici, le premier paramètre, c'est une variable. Voilà. Donner y, je vais donner 3. Donc, 3 factoriel égale à 6. Je réexécute. Donner 5, on va trouver 120. 5 factoriel égale à 120. Donc, vous donnez n'importe quelle valeur. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va afficher le factoriel de y plus 4. Donc, comment afficher? Copier, voilà. Paste. Je vais faire z ici, et ici je vais faire y plus 4, une formule. Donc au début une valeur, après une variable, après une formule. Donc y plus 4 factoriel, vous allez voir. Donc le factoriel de 4 c'est 24, le factoriel de 3 c'est, je vais faire 6, 6, voilà. Par contre le factoriel de 7 factoriel, ça veut dire 3 plus 4, c'est 5040. Donc, j'espère bien que vous avez compris ici pour le factoriel. Maintenant, ça c'est le premier programme, je l'enregistre. Je vais faire un deuxième programme pour faire la deuxième démonstration. C'est quoi? C'est calculer le nombre de combinaisons, c'est un cas. Donc, le programme que nous venons de faire. Donc, comment faire? Donc, je vais copier ce programme. Pardon, donc ici, je vais faire une copie de ce programme. Voilà. Voilà, je vais faire une copie. Pardon. Copie pour ne pas le perdre. Je vais créer à nouveau. Voilà. J'efface et je fais paste. Donc, je vais effacer tout ce qu'il y a à l'intérieur du corps. Et je laisse la procédure factorielle. Donc ici, on veut calculer si un cas. Donc nous avons trois variables, n, virgule c, virgule k, intégrer. Donc les variables d'entrée, c'est n et k. Donc write, donner les valeurs de n et k. Donc ici, première valeur, c'est n. Et deuxième valeur, c'est k.
Donc voilà. Donc dans le cas où k est supérieur strictement à 1, nombre de combinaisons égal à 0. Donc c reçoit 0. Sinon, donc ici on va faire un begin pour le else et end pour le else. Donc voilà. Et à la fin on affiche write. Je saute la ligne. Write. Combinaison nk. Et combinaison, nombre de combinaisons de k éléments à partir de n éléments. Et voilà, et on va afficher c ici. Donc ici, c'est quoi n? On va utiliser la valeur dans la RAM de n. Et ici, la valeur de k dans la RAM. Très bien. Donc, je compile s'il n'y a pas d'erreur. Donc, ici, le else, il ne faut pas mettre point-virgule. Et voilà. Donc, ici, on va faire le calcul. Dans le cas où k inférieur ou égal à 1, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout d'abord calculer le n factoriel. Ça veut dire c'est le nf. Donc, on va faire factoriel. Factoriel. On va appeler la procédure n avec les paramètres n et nf. Bien sûr, il faut ajouter les paramètres nf. Donc, ici, nous avons déclaré trois variables globales. Donc, ici, c'est les variables globales. Nous avons ajouté nf et kf, k factoriel, et n-k factoriel. C'est des entiers. Donc le premier factoriel, c'est nf. Le deuxième factoriel, pardon, factoriel. Donc j'ai oublié le e ici. Le k dans kf et le factoriel du n-k, donc c'est la valeur n-k qui sera transmise, c'est une expression, dans nkf. Donc c'est quoi le combinaison? Combinaison, comme nous l'avons vu dans le cours, ici, combinaison c'est quoi? C'est n factoriel sur k factoriel fois n-k factoriel. Or, ici nous les avons calculés, donc c reçoit, donc n factoriel divisé par k factoriel, multiplié par n-k factoriel. Donc trois valeurs. Et ici, division entière, puisque c'est il est entier. Voilà. Maintenant, j'enregistre le programme. Donc c'est ce programme, proc2. On va faire PR2, ce programme, PR2. Donc il y a PR1, il y a PR2. Voilà, j'exécute. Donner les valeurs de n et k. Par exemple, je vais donner 5 et 6. Donc du coup, il me dit que le nombre de combinaisons de 6 éléments à partir de 5 éléments égale à 0. Donc c'est impossible. Voilà, je vais faire ajouter S ici, j'enregistre. On va faire un autre exemple. Donc, si je veux constituer à partir de 10 éléments des sous-ensembles de deux éléments, donc combinaison 2 à partir de 10, ça va être, de deux éléments à partir, ça va être 1. Donc ici, apparemment, j'ai fait une erreur. Ici, c'est n factoriel, kf factoriel. Donc c'est n et k, read n et k. Alors, normalement, à partir de 10, 2, c'est pas 1. Donc, divisé par KF. Alors, j'ai fait une erreur, apparemment. Ah, d'accord. Ici, il y aura un petit problème concernant le factoriel du 10. Je vais utiliser un petit élément. Je vais faire 2, non, pardon, 5 et 2. Voilà, il y a deux cas. Donc, deux éléments à partir de 5, vous allez trouver 10. Je vais expliquer ça après, pour ne pas tarder. Juste pour le calcul de factoriel, pour une grosse valeur comme 10, etc. Pour avoir des valeurs plus longues, on peut faire ici long integer. Donc, ici, il faut déclarer NF. On peut déclarer tout comme étant long integer, pas de problème. Donc, on a expliqué dans les types, les types. Les gros types. Donc je vais donner 10 et 2. Vous allez trouver 45K. Donc il y a 45K pour construire des sous-ensembles de deux éléments à partir d'un ensemble de 10 éléments. Donc vous pouvez, si vous voulez comprendre le principe, vous prenez le cas de 5 éléments et 2 éléments, construire des sous-ensembles de deux éléments à partir de 5 éléments. Vous allez trouver 10. C'est quoi ce 10-là? Je peux m'expliquer ici par à travers un commentaire. Je vais laisser. Vous prenez un ensemble de 10, de 5 éléments. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je veux construire toutes les possibilités de ce ensemble de deux éléments. Donc nous avons 1,2. Nous avons
1,3. Bien sûr, les sous ensembles, il n'y a pas de répétition et l'ordre n'est pas important. 4, c'est un ensemble, c'est la notion d'ensemble mathématique. 1 avec 5. Donc il y a 4 éléments, il y a 4 valeurs possibles pour 1. Maintenant pour 2, il y a 2. Donc on ne peut pas faire de 1 puisqu'on a fait déjà 1, 2. Donc il y a 2, 3. Il y a 2, 4. Il y a 2, 5. Par la suite, il y a 3, 4. Il y a 3, 5. Et à la fin, il y aura 4, 5. Voilà, si on compte nombre de possibilités, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc il y a 10 possibilités de faire des sous-ensembles de deux éléments à partir d'un ensemble de 10, de 5 éléments. Donc c'est le résultat que nous avons trouvé ici. Donc j'espère bien que c'est clair pour vous. Donc la prochaine vidéo, on va faire pour les fonctions. Donc on a vu deux programmes. Donc vous allez trouver dans le partage de la vidéo, dans la description de la vidéo, le lien vers le cours. Et le lien vers les deux programmes, dans les deux programmes Pascal. Donc, bon courage et travaillez bien.